véhicule d'assistance. Le taxi jaune circule. Le chaton est assis à l'intérieur. Ce taxi est une voiture électrique. Regarde, la batterie est encore bien chargée. Oh, le panneau du bas s'est ouvert. Il est tombé sur la route. Ce n'est pas bon signe. Le pick-up rouge a remarqué que la pièce était tombée. Il doit la ramasser et l'emmener à l'atelier de réparation. Le chariot élévateur met le panneau jaune dans la benne du pick-up. La voie est libre, il est temps de partir. Et le taxi arrive à l'aéroport. En effet, c'est la destination du chaton. Qui sera le prochain passager? C'est le chiot. Regarde, il a une valise. Il vient sans doute d'arriver. Ramène le chiot à la maison, taxi. La voiture roule vite. Oups, une des batteries est tombée au sol. Il n'y avait plus de couvercle pour la retenir. Des étincelles jaillissent sous le taxi. De la fumée s'échappe. La voiture s'arrête. Et si le taxi prend feu? Nous avons besoin de l'aide des gros véhicules d'assistance. Un camion de pompiers, une dépanneuse, une grue, une balayeuse et un autre taxi sortent du garage. Les véhicules d'assistance sont arrivés juste à temps. Le camion de pompiers pulvérise de la mousse sur le taxi. On ne peut pas éteindre un feu de batterie avec de l'eau. Il n'y a plus de fumée maintenant. La dépanneuse abaisse sa rampe. La grue soulève délicatement le taxi en panne et le dépose sur la plateforme. Il faut aller à l'atelier de réparation. Et la mousse? La balayeuse va nettoyer. Le chiot appelle un autre taxi. Le voilà! Le passager sera bientôt rentré chez lui. Voici l'atelier de réparation. La porte s'ouvre et les voitures entrent. Il faut soulever la voiture en panne et l'inspecter. Voici la batterie brûlée. Le manipulateur la retire pour la remplacer par une nouvelle. Voilà, c'est fait. L'indicateur est à nouveau vert. Voici le pick-up. Te souviens-tu de ce qu'il transporte? C'est le panneau de protection qui empêchera les batteries de tomber à nouveau. Fixons-le correctement de chaque côté. Taxi, les réparations sont terminées. Tu peux partir. Bonne route.
Les véhicules d'assistance rentrent dans leur garage. Je me demande qui ils sauveront la prochaine fois. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Voici le garage des véhicules d'assistance. La pelleteuse, le camion de pompier avec son échelle et la bétonnière sortent du garage. Ils ont tous des tâches différentes à accomplir. La barrière se lève. Ils peuvent passer. Oh ! Une vis sur la route. D'où vient-elle? La voiture rouge a trouvé la vis. Elle appelle ses amis. Voiture, réfléchissons. Qui a pu perdre une vis? Les voitures jouent avec la vis comme si c'était un ballon. C'est une mauvaise idée. Quelqu'un pourrait avoir besoin de récupérer cette vis pour accomplir sa tâche. C'est peut-être... la pelleteuse? Imagine qu'elle descend de son godet dans une fosse. Qu'elle ramasse la terre et que le godet tombe. Ou peut-être que la bétonnière a perdu cette vis. Elle soulève son tambour, le mélange de ciment commence à se déverser, puis... la roue du mécanisme de levage se casse. Et le ciment va continuer à se déverser sur le sol. Ou le camion de pompier pourrait avoir perdu cette vis. Alors, il commencera à éteindre un incendie et le canon à eau tombera. Les voitures ont décidé d'aller chercher qui a perdu la vis. Elles sont allées voir le camion de pompier. Le camion de pompier est en train de sauver un chaton. Il n'arrive pas à descendre de l'arbre. Le camion de pompier s'est bien débrouillé. Il n'est pas cassé. La voiture jaune apporte la vis à la pelleteuse. La pelleteuse est en train de creuser une fosse profonde. Son godet est toujours bien attaché. Ce n'est donc pas elle qui a perdu la vis. La bétonnière soulève son tambour. Il n'est pas cassé non plus. Qui a donc perdu cette vis sur la route? Qu'en penses-tu? Voiture, allons voir. Oh, un embouteillage! Que s'est-il passé sur la route? La barrière ne s'ouvre pas. Ah, une vis est tombée de la barrière.
C'est peut-être la vis que les voitures ont trouvée. Le camion grue soulève la barrière et la remet en place. Le manipulateur serre la vis. Hourra ! La barrière fonctionne à nouveau. Les véhicules d'assistance remontent à l'étage de leur garage. De nouvelles tâches les attendent demain. Bien joué. Merci pour votre aide. Les véhicules d'assistance. Il y a trois petites voitures sur la route. Elles se préparent pour une course. Petite voiture rouge, recule un peu. Parfait. Maintenant, toutes les petites voitures sont bien alignées. À vos marques, prêts, partez! Regarde comme elles vont vite. La petite voiture rouge dépasse toutes les autres et fait le tour du looping. Oh non, il y a un trou droit devant. Faites attention. La petite voiture s'est retournée. Tu es blessée? Non, ça va. Et il y a ce trou dans la route. Ça ne va pas du tout. Nous devons trouver une solution. Petite voiture, où allez-vous? Bétonnière, attention, ne tombe pas dans le trou. Regarde, les petites voitures ont apporté des cubes. Elles essaient de réparer la route. Encore des cubes. Essayons de rouler dessus. Pas très pratique. La petite voiture verte est coincée. Et si on versait de petites balles dans le trou? Essayons cela. La route est mieux nivelée maintenant. Qui va essayer de rouler dessus? La petite voiture rouge. Non, on ne peut toujours pas rouler sur la route. Les petites voitures sont parties chercher de l'aide. Les véhicules d'assistance, qui peut nous aider à réparer la route? Le rouleau compresseur, le camion benne et la pelleteuse vont se mettre au travail. D'abord, ils doivent retirer les cubes et les balles du trou.
La pelleteuse les met soigneusement dans une boîte. Il y a beaucoup, beaucoup de balles et de cubes. Que fait le camion Ben? Il verse de l'asphalte dans le trou. L'asphalte doit être comprimé et nivelé. Le rouleau compresseur va s'en charger facilement. Le rouleau compresseur a un lourd cylindre avant qu'il utilise pour comprimer l'asphalte et niveler la route. Bon travail! Les petites voitures sont ravies que ça ait marché. Merci les véhicules d'assistance. Il est temps de continuer la course. Le chiot annonce le départ. À vos marques, prêts, partez! Les plus gros véhicules retournent dans leur garage pour se reposer un peu. À bientôt, les véhicules d'assistance. D'assistance. Les voitures jouent au ballon à côté de l'atelier de réparation de voitures. Oups, le ballon a roulé sous la porte. Impossible de l'atteindre. Les voitures ont décidé d'ouvrir la porte et d'entrer. Arrêtez! Vous ne pouvez pas jouer au foot ici! Regardez! Un pot de peinture est tombé en plein sur la voiture jaune. Oh non! Vous avez renversé l'huile moteur! Les écrous et les boulons sont tombés! Et maintenant, tu as un pneu crevé! La voiture rouge a besoin d'aide. Mettons-la sur la plateforme. Cette roue est faite pour toi. Oh non, elle est coincée. Attends, voiture verte. Il faut sauver tes amis. Véhicule d'assistance, on a besoin de vous à l'atelier de réparation de voitures. Heureusement que ces gros véhicules sont toujours prêts à aider. Ils se précipitent vers l'atelier de réparation. Le manipulateur entre en premier. Il peut utiliser sa pince pour attraper les pneus qui sont tombés sur la voiture jaune. Formidable ! La grue entre maintenant dans l'atelier de réparation. Elle peut utiliser son gros aimant pour ramasser tous les écrous et les boulons.
remettons-les en place. Balayeuse, c'est à toi. Elle nettoie l'huile renversée avec ses brosses. Et voilà. Le manipulateur utilise un rouleau de peinture pour couvrir les éclaboussures sur le mur. Le mur est comme neuf. Réparons cette étagère. Le camion Ben a apporté une nouvelle étagère pour les pneus et une armoire. Mettons l'étagère près de ce mur. Mettons l'armoire avec les tiroirs ici. Mettons le bidon et la bouteille d'huile à l'intérieur. Le chariot élévateur place les pneus sur l'étagère. Pour qui est ce pneu? Oh, bien sûr, c'est pour la voiture rouge. Maintenant, elle peut à nouveau rouler. Manipulateur, pourrais-tu recouvrir les éclaboussures roses avec de la peinture jaune, s'il te plaît? Bien sûr. La voiture est à nouveau toute jaune, sans aucune éclaboussure. Incroyable! Les voitures, vous jouez encore au ballon près de l'atelier de réparation? Vous feriez mieux d'aller au terrain de jeu. Les véhicules d'assistance retournent dans leur garage. Ils doivent se reposer, au cas où les petites voitures auraient un nouveau besoin d'aide demain. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Le pick-up rouge est à l'entrepôt. Le chariot élévateur à fourche charge des boîtes de différentes couleurs dans sa remorque. Il faut les emmener au magasin. C'est parti! Voici le garage des voitures de course. Oh là là! Quelle vitesse! Les petites voitures ont vraiment la course. Elles dépassent le pick-up. La voiture jaune veut que le pick-up vienne jouer. Merci, petite voiture, mais le pick-up a un travail important à faire. C'est un circuit de course avec un vrai looping. C'est donc là que les petites voitures se précipitaient. Pick-up, veux-tu faire un essai? Juste un essai. Tu crois qu'il va réussir à faire le tour? Les voitures prennent de la vitesse. La voiture jaune n'a eu aucun problème à faire le tour du looping. Le pick-up est... Oh! Toutes les boîtes sont tombées. Il y a des fruits partout. Une boîte est tombée juste au-dessus d'une petite voiture. Que faire? Les véhicules d'assistance arrivent à la rescousse. La voiture de police et le chariot élévateur. Ils doivent fermer la route. Mettons des cônes autour des fruits et légumes éparpillés. Petite voiture, pouvez-vous nous aider à remettre tout ce qui est tombé dans les boîtes?
Les pommes rouges vont dans la boîte rouge. Les citrons jaunes vont dans la boîte jaune. Les concombres verts vont dans la boîte verte. C'est pratique! Il ne reste qu'une seule pomme. Non, voiture verte, pas là. La pomme rouge va dans la boîte rouge. C'est fini. Nous avons trié tous les fruits et légumes. Mais qui va charger les boîtes sur le pick-up? Le chariot élévateur, bien sûr. Merci les véhicules d'assistance. Vous savez, vous avez vraiment accompli un bon travail en aidant le pick-up. Maintenant, il est temps pour tout le monde de rentrer à la maison. La route est dégagée. Il ne reste plus qu'à enlever les cônes. Le pick-up a apporté les fruits et légumes au magasin. Les véhicules d'assistance sont de retour à leur garage. Nous les reverrons bientôt lors d'une prochaine mission importante. Les véhicules d'assistance.